Bonjour à tous, bonjour à bienvenue pour les étoiles de l'e-sport édition 4. Non, 3. 3. Attends. 4. 4. 4. 4. Édition 4. Édition 4. On est là aujourd'hui avec Alderiat et on va spectate pour la première fois de notre vie des fers. C'est-à-dire que les bronzes, déjà, ils puaient la merde. Mais alors là, ils puent encore plus la merde que les bronzes. Des fers 4. La pomme pourrie des pommes pourries. Si, si. La crasseuse des crasseuses. Les véritables. Du coup, on va dire à notre fer 4 de lancer la game. Lance, Igo. Bon, bah, je lui ai dit de lancer. Et Tape, maintenant, va s'agir. J'étais là. Ok, merci, Tape. Va s'agir qu'il trouve une game. Et qui joue cette game. Qui joue cette merde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Julien de la Banana. Julien de la Banana. Alors, en fait, je crois que j'ai pas trouvé de fer 4 parce que c'est vraiment une denrée ultra rarissime. Mais tu sais qu'il y a moins de. Oh fer. Mon dieu, il est fer en flex 5v5. Donc, c'est un unranked fer flex. Tu sais qu'il y a moins de fer que de diamant. Mec, c'est incroyable. No fake, il y a moins de fer que de diamant. Parce c'est qu'en fait, une denrée ultra rarissime. Même s'ils font 0-10 en placement, ils tombent genre bronze 5. Et après, ils jouent plus, ils sont découragés. C'est-à-dire que les fers, en fait, c'est les mecs qui persistent mais qui font que perdre. C'est vraiment. Donc, c'est des joueurs actifs avec un ratio de victoire de 20% ou moins. Vraiment, des mecs. J'aimerais les rencontrer IRL. Voir ce qu'ils valent. J'aimerais les analyser. Parce que pour le coup, être fer, c'est quand même une performance. Être gold encore, ça va. Bronze, je veux bien le concevoir. T'as eu pas de chance, tu t'es fait algorithmed. Mais alors, fer, c'est fort. La crasseuse des crasseuses, comme on dit. Donc là, on peut voir que Julien de la Banana. Julien de la Banane vient de lancer la game, si, si. Ça devrait proc très très rapidement, si, on est quel si, jour Juju. On est samedi soir, en fait. Samedi soir en flex, tout le monde, ils sont là avec leurs collègues. Attends. Lance une petite game. On va spec une flex ou une solo queue? Non, en fait, c'est une flex qui est ranked en flex. Ah, une flex fer. Mec, déjà que... Donc la ça veut flex, dire que ce sera du jeu d'équipe. La flex, c'est du pisse low classement par rapport à la solo queue. Ah ouais, bro. Alors là, vraiment... Ça risque d'être encore plus bas que la solo queue. J'avais un fer 4. Oh, la championne select qui vient de se lancer du côté de Julian de la Banane. Je crois qu'il tag en solo. Ouais, on peut pas encore le spec. Bah, demande-lui. Il est en championne select. Utilise le clavier, mon ami Chappie. T'es en flex. Point d'interrogation. Voilà, la question a été posée. Faut savoir aussi que j'avais un compte fer 4 Turquie. Mais malheureusement, il n'a pas survécu assez longtemps pour... Ah, c'est malheureux, ça. Il n'a pas survécu assez longtemps pour qu'on puisse... C'est très, très malheureux. Parce que j'aurais payé cher pour avoir dû faire 4 turquies. Oh, il a répondu solo duo. Donc, solo queue. Si, si. Si, si. Ademo. Ademo Rey, ODD. Le monde, Chico. ODD. Le monde. Chico. Et Totu. Ce qu'il y a dedans. Si, si. Qu'est-ce que j'aurais aimé, spectate un bronze 4... Un fer 4 turc. C'est vraiment le lowest low of human being. J'ai tellement hâte de me remettre dans le bain, Chappie. J'ai tellement hâte de spectate, de leur donner des petits noms, de voir leurs petits déplacements avec leurs mains fébriles. J'ai hâte, Chap. J'ai hâte de baigner là-dedans. Mais j'ai attendu toute la journée pour ça. Je te cache pas que ça fait longtemps j'ai aussi. J'ai failli louper mon train pour ça. Ah, par contre, c'est grave. Ouais, mais en fait, tu sais, c'est la gare Montparnasse, il y a beaucoup d'arnaques en fait. Tu ah vois, ouais tu vas arriver dans la gare et pas faire. Ah, oui, non, mais ouais, je vois où t'étais en plus. T'étais genre au truc à l'autre bout de la terre là. Ouais, c'est un labyrinthe. Ouais, en fait, je la vois gare très bien. Je pensais pas à moi. Je vois très bien. C'est terrible. Allez, Julien de la Banana en champ select qui va nous pique son meilleur Amumu. Est-ce que, Malphite. Est-ce que les dernières étoiles du sport. Ah non. On aura du coup la championne select dès qu'il rentrera en jeu, oui, avec les 3 minutes de décalage. Ouais, c'est ça, on aura un petit délai. J'ai oublié les bases du casting. On pourra du coup apprécier toute la saveur de cette champ select. Tellement hâte de voir la phase de pique et de ban. Par contre, je vois qu'il n'a rien répondu. Peut-être a-t-il été offensé par ce Ademo Rey, ODD, le monde Chico et tout ce qu'il y a dedans. Et pourtant, je comprends pas, c'est clairement amical, quoi. Pour le coup, Ademo Rey, ODD, le monde Chico et tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on l'a pas insulté sa mère, quoi. Bah ouais. Si, si. C'était la petite veste que t'avais au mariage de tes épouses, bro ? Si, si. Si, si. Moi aussi. Carré ma gueule.
Mais entre-temps, j'ai pris un peu de poids. C'est carré. Du coup, elle me va plus aussi bien qu'avant. Elle est comme... j'ai l'impression d'avoir volé la veste de quelqu'un, en fait. C'est vrai que t'es un peu serré, quoi. Oui. T'essayes de me déconcentrer, là. Non, Julien de la Banane, c'est quoi ? Et tu sais quoi ? Concentre-toi dans ta game. Donne tout. Ralasse les biens. Ralasse-moi, c'est faire 4, ma gueule. Ralasse les biens. Si, si. Jap, tu peux me rechanter l'air de la musique que tu fais que écouter en ce moment dans la voiture à fond ? Elle est bonne, sa mère. Ah ouais, nanana, c'est ça. Nanana, elle twerk. Elle twerk sur la piste. Ah oui, oui, c'est une très belle chanson. Comment elle s'appelle déjà ? Elle est bonne, sa mère. C'est vrai ? Ouais. Et de quel groupe musical ? Je crois que c'est Nino et VG Dream, celui qui a chanté « Ramener la coupe à la maison ». Oh ! Oh, c'est lui qui fait aussi « Et j'aime pas les vices de pute ». C'est lui qui fait ça ? Attends, refais pour voir. « Et j'aime pas les vices de pute ». Ah ouais, si, c'est les gros fils de pute. Ah oui, je reconnais, ouais. Tu vois de qui je parle ? Ouais. Non mais en vrai. C'est VG Dream. Quand il s'énerve et qu'il insulte tout le monde pendant 3 minutes de musique. Ouais, je reconnais, c'est VG Dream. Ah ouais. Oh, ah, game. C'est parti. Oh, attends, qu'est-ce qu'il nous a piqué ? Bard ! Oh, let's go. Je spectate ta game, mon grand. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la Champion Select, déjà, le petit Julien, il nous joue un Bard. Oh, on a une belle compo, là. À gauche, on a une belle compo de bronze. Alors, il est temps de savoir qui va où. Bon, on pourrait partir du principe que c'est un Nasus AP mid lane avec l'Ignite, un Hammer top. Mais vu qu'on est en fer de merde, je pense que le Nasus Ignite va être top. Le Hammer mid... Ashbard bot, Kane jungle, nous avons le Jack jungle, le Galio mid, Vladimir. Ah non, Galio support. Galio support, Jinx AD. AD, ouais. Vlad top, Zoé mid, ok. Et hey, franchement, en vrai, c'est propre. C'est franchement, c'est carré ma gueule. Hein. On n'est pas tant en faire que ça. Hein. Attends, parce que moi, surtout, ce que je veux voir, c'est ce Nasus Ignite. Pourquoi Nasus Ignite ? Eh bien, en fait, Vladimir possède une sustain élevée. Ouais. Nasus n'a pas vraiment accès à l'itémisation marque du bourreau ou bien armure de la ronce contre Vladimir. Du coup, grâce à son igni, il pourra le brûler et lui couper sa sustain. Et franchement, c'est bien vu. Hein. Hey, c'est parce carré. Que... Hein. Parce que là, franchement, fallait y penser. Hein. L'ignite contre Vladimir. Si. C'est propre. Hein. Ok. 56 secondes avant que la game se lance, enfin que le chargement se lance en fait. Oui, il faut pas oublier que le chargement va prendre un sacré temps. Le plus grand temps d'attente ne va pas être de la draft qu'on est en train de regarder. Ah oui, là. C'est vrai. Alors... Ça va être les 5 minutes de chargement. C'est vrai que c'est quelque chose. Cette bombe me fait mal à la tête. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que. Retourne-la peut-être. La bombe à l'envers. En vrai, elle est plus sympa comme ça. Mais ouais, c'est vrai qu'en bronze, ils connaissent, enfin, en fer même, j'ai envie de dire, ils connaissent leur position de fer player. Oui. Et ils décident de ne pas investir dans un PC, et plutôt dans d'autres choses qui leur serviront dans la vie, comme par exemple un bavoir. Ou des V-Bucks. Ou des V-Bucks, ouais. Ou par exemple, des V-Bucks pour s'acheter des skins avec le code Gibbs, Team Gibbs. Exact, Team Gibbs. Un jour, j'irai dans la Lune, grâce au code créateur Team Gibbs. Pareil. Donc, gros soutien à Julien pour aller dans la Lune. Force. Force, mec. Force, mon grand. Force. Ok, le chargement va se charger. Oh. Le lancement va se lancer. Et ça se lance. Et ah, moi, j'ai envie de voir les maîtrises. Je vais juste set up. Oh, c'est bon. La deuxième. Parce que là, tu vois, sinon, on n'a pas de retour. Parce que le retour ah ouais, pour le chat. Ah, attends, faudrait que tu as le tab et que tu le fasses glisser là. Si. Hop, attends. Et t'épouses ? Ça te dirait de venir travailler un peu ? Viens voir, bro. Il y a un truc là. Faut que tu m'aides. Non, c'est bon. Hein. Pourquoi on n'a pas de retour là ? C'est bon. Hein. Mec, bah attends, mais c'est révoltant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont que des bonnes maîtrises, à peu près. Parce que là, on a Zoé qui a un Aeri. Pouah, let's go, mon frère Tay. Let's go. C'est vraiment mon frère. Un Aeri, c'est pas mauvais. Enfin, sur Zoé, c'est correct, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des maîtrises ? Conquérant sur Jack, c'est pas mal du tout, mais attention, il est jungle. Ah. A-t-il le temps de faire propre ce conquérant ? J'en doute fort. Probablement pas.
Zoé, Laeri, ouais. Fleet Footwork, Jean, ouais. Aftershock, Galio, ouais. Phase Rush, Vlad, ouais. On est sur rien de choquant. Point Nasus, oui. Electrochoc, Kane, bah ça joue conquérant maintenant. Ça peut jouer Electrochoc si tu le joues bleu. Ah ouais, peut-être qu'il compte partir bleu parce que c'est vrai qu'il y a une compo double AP et une Jinx. Franchement, ça me semblerait pas ahurissant. Ouais, le petit électrocute Thunderlord, foudre du tonnerre sur Emerdinger. Ouais. Excuse-moi, ça fait 3 mois que j'ai plus trop touché au jeu, bro. Non, mais c'est normal. La foudre, là. Ouais, c'est le Thunderlord, oui. Voilà. Le Fleet Footwork sur la petite hache et la comète sur Bard. Comme ça, tu connectes la comète. Boum, ça se... Avec boom. Le stun. La comète a le temps de se placer. Si. Alors, 97%, bon, c'est... Alors, il reste 3%, mais ça va pas... Ça va pas durer 10 secondes. Oh, quoique, 100% déjà. C'est plus rapide que prévu. Voilà, c'est parfait. C'est plus rapide que prévu. Allez, les 100%. Chef, peux-tu faire un checking de l'élo de la game? Alors, je vais regarder ça sur mon cellulaire. Il semblerait qu'on était floué sur la marchandise. Jure. Si la marchandise n'est pas bonne, on ira voir autre part. Hein. Alors... On n'est pas une game près. Hein. Alors... Écoutez, si cette game, ce n'est pas une game de bronze, c'est de la merde, je ne l'aspecte pas, je ne la commande pas. Je vais vous dire, moi. Trey. Des fers, des bronzes, il y en a à l'appel. T'es pas unique, Julianne, t'es pas unique. Tu te fous de ma gueule, Julianne. Oh mon dieu. Il est bronze 2. Alors, c'est quoi? C'est du bronze 2. Fais un OPG global de la game. Live game. Alors. Attends, comment je fais pour voir? Défile un peu sur la... Et je peux rien défiler, là. Ok, je vais faire sur le... Je crois il est bronze 2. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Et Julien, et nique ta mère. Quoi? Et bronze 2, il a dit. Et il m'a dit il était fer 2, il a dit il est bronze 2. Et tu sais quoi? Attention, et quoi, ça me dégoûte. Chap, pense aussi moi. Calme ton langage. Chap, monte les scores là, je sais pas quoi là. Mais ouais, Julien, t'es un petit troubadour, hein. Eh, hey, il se fout de ma gueule. Eh, hey, il m'a DM et tout, en mode je suis fer 2. Il est bronze 2. C'est honteux. OPGG. Eh, hey, je suis floué là. Eh, je suis en rogne. Je peux pas, je vais mon ordinateur. Ordinateur de quelle marque, t'épouse? Ok, Acer. Je suis pas Predator. Par eux, mais c'est un ordinateur de la marque Acer. Hein. Acer Predator. Predator. Le meilleur, hein. Pour les meilleurs. Alors, tac. Et tu sais quoi, je suis trop en rogne. Alors, il s'appelle comment? Julianne? Julianne de la banane. De la banana. Hunter. Live game? Live game. Non, par contre, Chap, si il nous a floué, j'ai les nerfs. Et tu sais quoi, c'est du bronze 4 à bronze 3 à bronze 2. Ça va, non? C'est de la merde, mais je vous jure que la game d'après, je veux un fer. On est dans des bronze 4, bronze 3, les gars. Est-ce que vous acceptez qu'on caste ça? Ah ouais, ok. Bon, écoutez, je peux faire un effort, je veux bien caster ce high elo, mais on a été un petit peu floué. Hein. Et tu sais quoi, Julien, j'espère que tu vas perdre. Ok, bon, maintenant il est temps de faire notre travail. Et le chat, il veut pas, hein. Et le chat, s'il y a un fer 4 dans le chat qui m'envoie un message sur Twitter, maintenant on le spec. Ok, attention, offre promotionnelle, une minute pour envoyer un message à Chap. Et un vrai fer 4, hein. Pas un fer 4 qui me dit qu'il est fer 2, mais en fait il est bronze 2. Hein. Fer 4 en solo queue, on s'en fout de la flex. Et je suis en rogne. La flex, y a pas assez de joueurs, donc si vous taguez en flex, même si vous êtes giga low elo, vous allez tomber plus haut. Et je suis en rogne. On veut du fer. Et j'attends vos messages, là, y a pas de message. Ok. Ok, attends, parce que moi, faut que je check en même temps leur elo. Pour savoir s'ils sont pisse low elo. Ok, Chapi, on inverse les positions. Attends, merde, c'est moi qui la cam, du coup. Oui, c'est okay, toi c'est qui... Bon. Ok. Putain, on m'a floué, quoi, sur la marchandise. Chap, tu t'es fait flouer, t'avais un job. Bah ouais, mais bon. C'est grave. Tranquille, on n'est pas pressé. Oh, Iron 3. Oh, ce win rate. Oh, Iron 3. Oh, mon dieu. 22%. 20 victoires, 70 défaites. Oh, c'est ce mec-là que je veux. Tomasco, je vais t'ajouter un ami. Tu m'entends ça, Tomasco? Oh, mon frère Thomas. Mon frère Thomas. Oh, mon dieu. Allez, il est Julianne, si nul. À la plonge, Julianne. Casse-toi. On s'en fout.
Et tu sais quoi, je m'en bats les couilles de ta game. Ok. Et Tomasco, franchement, je t'alloue dans un mieux. Tu joues maintenant. Quitte. Oh mec, son win rate par contre, c'est un délire. Attends, je vais aller voir il ça. Il a 20 victoires, 70 défaites. Il a 50 défaites de plus que de victoires. Ne te moque pas de lui. Mais je me moque pas de lui, mais quand merci même, Thomas pour carrer l'émission. Mon vrai frère hein. Thomas. Parce que franchement, Chap avait déconné et oh, c'était le malaise, là, c'était cringe. What? You're not bronze. Cringe. Tomasco, il est en queue, mais Tomasco, mais mon vrai frère. Lance ta game, Tomasco. Allez, solo queue, hein, solo queue, Thomas. Attends, mais non. Dis-lui. Mais... Dis-lui solo queue. Solo queue. Iron 3, 22 wins. Let's mon vrai go. Frère Thomas. Mon vrai frère Thomas. Non, let's go, Thomas. Les bronzes, non contents d'être nuls, ils mentent maintenant. C'est les bronzes et ils arnaquent. Ils sont moches, pas intelligents. Pas d'emploi, maladie. Chômage. Et maintenant, ils mentent. Eh, franchement, ça me dégoûte, les bronzes. Les fers, au moins, eux, ils sont gentils. C'est vrai, ça. Contrairement aux sales bronzes. Les bronzes, ils sont hargneux. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans cet enfer. Alors que les fers... Bah les frères justement, les frères. Bah c'est tout neuf tu vois, ils sont là-dedans mais ils se disent bon on est peut-être les plus nuls mais c'est une nouvelle terre tu vois, c'est on découvre des choses. Moi ils jouent au jeu pour s'amuser. Ils sont pas encore dans l'erreur et dans la routine. Contrairement à Julien de la Banane que je vais de suite enlever de mes amis et bloquer sur Twitter. Parce que la routine crée l'aigreur quelque part. Et les bronzes sont dans cette routine de bronze toutes les saisons. Qu'est-ce qu'ils sont aigres, c'est salaud. Oh Tepou, je peux avoir ton costume? Oh non, s'il te plaît. Eh, c'est le costume du roi Tépouze, il s'en servira pour... Oh, s'il te plaît, je te le rends après. Il s'en servira pour faire le débrief de la game. J'en peux plus, ma veste, elle est trop serrée. Non, tu sais quoi? Non, je te la laisse. Elle t'as est bonne, ça, mais... T'as pas un petit cadeau? Je peux avoir un petit cadeau de Solari, là? Bon alors, à Tomasco étant champ select, les amis, ça ne va pas tarder à commencer. Je vois qu'il y a des petits cadeaux là par là. Nous sommes comme vous, nous trépignons d'impatience de caster cette game, de faire 22% de win rate. J'espère qu'il ne m'a pas floué, que ce n'est pas un hard smurfer. Ah non, je vais crever de chaud là-dedans. Mais merci de proposer. Après avoir 22% de win rate, c'est difficilement dur de smurfer ça. Hein. Surtout en faire 3. J'espère réellement... qu'il vaut son élo. Alors, nous sommes sur Thomas comment, rappelle-moi ? Tomasco, le vrai frère. Tomasco. Si, Tomasco. Tomasco, le véritable. Mon vrai frère Tomasco. Le crasseur, le plus crasseux des crasseux. L'empereur. Le jeu de toilette. Let's go, Tomasco, rentre dans cette game. Tomasco, l'empereur. T'épouse, t'es sérieux ? Tu m'as donné aucun cadeau ? Ah, vas-y. Fais-lui un petit cadeau, t'es sérieux, là ? Fais-moi un petit cadeau. Fais-moi... Non, ça, c'est trop. Et un petit cadeau. Fais-moi un petit cadeau. Il est golden flex, mais c'est parce qu'il se fait carry par ses amis. Bah, tape, what the fuck ? Il se fait carry par ses amis, mais mon vrai bro Tomasco, il est... Et là, il y a un petit drapeau français. Vous entendez ça ? Vous entendez, il est nul. C'est un vrai fer, il pue. Et on va le spectate. Oh ! Oh, je serais tellement plus à l'aise là-dedans parce que ça bouge et ça me tient chaud. Et merci, t'épouse. Et merci. Il a une game avec 5 Warmog et voilà. C'est un vrai fer. Il voit des armures, il les achète. Un vrai fer de merde. Il, en fait, les fers, ce qui se passe dans leur tête, c'est qu'ils lisent pas les textes. Juste, ils regardent les images. Et si c'est une armure, bah c'est tanky. Si c'est une épée, bah okay, c'est je suis des dégâts. Oh non, ça a dodge, Tomasco, mon vrai frère. Oh, mais c'est pas grave, il va rapidement reproc une game, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'ai tout mon temps, Tomasco. J'ai tout mon temps, j'ai littéralement 2 games. Let's spec go. 2 games. Let's go. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Bah, c'est parfait. Bah, c'est super. Du coup, on peut parler, Chap. Un sujet de conversation, alors, c'est avec grand plaisir. Je sais ce qu'on va faire. On va regarder l'historique de mon vrai frère, Tomasco. Alors, regardons l'historique, analysons un petit peu. 6 Si, mon vrai frère Tomasco. Garen, 4 Warmog, Spirit Visage. Alors le chat, le full chat, tank. 52 minutes, j'espère que la game va pas durer 52 minutes quand le même. Le chat dans sa, comment dire, parano la plus totale, suspecte le petit Thomas d'être un smurf. Alors attendez, si vous pensez vraiment qu'as-tu à dire que Tomasco
20 victoires, 70 défaites est un smurf. Est-ce que tu penses vraiment qu'un smurf investirait autant de temps pour faire ça? Non, mais c'est impossible. Regardez-moi ces games. Comment tu veux faire 5-11 avec Warwick en fer? Regarde le stuff. Ah, il a l'air d'avoir un Yasuo très standard. Oh, dis-lui de jouer Yasuo, je t'en supplie. Non, il joue ce qu'il veut. Non, non, s'il te plaît, Tomako, je veux voir son Yasuo. Attends, mais là, c'est des drafts. Non, mais ça, c'est des... Regarde, une petite ranked solo. Attends, et faut voir les scores avec les qu'il fait en ranked solo. Parce qu'il y a beaucoup 19, de normal et de draft. 19-13. Mec, son stuff, il est incroyable. Il m'a faibli tellement. Mais je te dis, c'est littéralement ça. Hein. Il faisait le green stuff. The green stuff. Mec, s'il te plaît, envoie un petit message à Tomasco. T'inquiète, il nous entend. Tomasco, par pitié, mon vrai frère, pique Yasuo. Et Tomasco, tu sais quoi, tu joues ce que tu veux. Hein. Sans nous juste ton meilleur niveau de jeu. Après, on est en fer. Yasuo sera certainement ban. Nah, c'est pas possible. Il peut... Honnêtement, les amis, ça peut pas être un smurf et faire 9-12 avec Sylas. C'est impossible. Personne sur Terre n'en est capable. On va vérifier quand même l'élo de ses mates. Mais j'ai bon espoir quand même qu'il soit... Bronze 3 ? Mais comment c'est possible ? Il a 20-70 ! Mais je t'ai dit, en fait, moi je pense que vu qu'il y a moins de fer que de diamants, la plupart du temps, lorsque les fer Q, ils se retrouvent avec le bas de le panier crasseux du bronze. Attends. Genre vraiment les bronzes dont même les bronzes ne veulent pas. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe en fait. Le lowest low. Alors dans cette game par exemple, où il jouait son meilleur... Mais vraiment, je pense que quand même, c'est pas possible qu'il y ait des games full fer en fait. Il y en a trop peu. Mais il a un MMR bronze 3. Moi je pense que c'est pas possible. Puis vu qu'en plus les fers ils ont une durée de vie limitée. Parce qu'ils gagnent ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bah ils repassent en bronze. Ouais c'est ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui... Bon il y a un moment quand t'as 10 victoires, 55 défaites, tu décides de faire une petite pause de LOL ou peut-être d'aller sur un autre jeu, tu vois. Mais Tomasco lui, il continue. Bon, attendez les amis, peut-être qu'on a quelqu'un d'autre. Je veux juste vérifier. Mais comment ça, quelqu'un d'autre ? Mais il joue avec des bronzes. Mais il y en a marre ! Attends, je veux juste vérifier. Non mais le chat, vous l'avez rendu difficile, maintenant il veut plus cast. Si, je veux cast, mais défer. En fait, faut bien comprendre. Oh mon dieu. Oh, what the f... Mais non, mais c'est Chap, pas possible. Une game full fair, tu ne la trouveras pas. Ah mais c'est un smurf lui, il se fout de ma gueule. Il se fout de moi. 39-220, j'ai un doute. J'ai franchement un doute. Là, pour le coup, j'ai un doute. 39 victoires, 220 défaites. Attends. Là, j'ai un petit doute. Non, mais franchement. Oui, il est très bien, Tomasco. Et puis, Chap, Oli. Exact. Exact. Les fers, ça fait des drafts, ça fait des normales, ça fait des arames. Je pense que c'est... Il joue trop peu. Je pense que c'est trop rare. Et puis, les fers sont trop rares. Gardez bien quelque chose en tête. Faut voir ce mec-là. Pas forcément. Le spec, lui, n'est pas la finalité. La finalité est de spec la game. C'est même un si ensemble. Ce mec-là est potentiellement un smurf, tu vois. Eh bien, c'est notre clé. C'est un notre ensemble. Clé pour, c'est un tout. Notre clé pour accéder à cette game. Parce que tu crois vraiment que les 9 autres joueurs, c'est potentiellement des smurfs? Je vais pas te mentir, j'en doute. Au vu de la draft. J'en doute. À première vue, j'en doute. Typiquement. Ce petit Twitch... Faut voir ce mec-là comme un ticket d'entrée, en fait. Ce petit Twitch Ignite, je doute que ce soit un smurf. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Kyle Téléportation, donc certainement top lane. Le Malphite Ignite que je mettrai support avec le Twitch Ignite. Double brûlure, triple brûlure avec le Z, mid lane. Le Volibear Jungle, Garen top lane, Kindred Jungle, Sona Keisa. Rien de... Et la Lux mid, Lux qui redevient très populaire. Satrolito du côté rouge. Ça troll pas du côté bleu. Ça troll pas trop. On a quand même un Ignite sur Twitch. C'est un peu du trolling. Le et un Malphite aussi, en fait. Ah, notre Tomasco qui est donc sur Malphite support. Et pas sur Yasuo. Son j'imagine meilleur pick. Ah, clairement, il a pré-lock son Yasuo support. Et je pense que son équipe l'a banni. Je vois très peu d'autres possibilités. Attends. Oui ? Oh non ! Il semblerait qu'on ait encore été floué, c'est une draft apparemment. Draft mode ? Non, là par contre, là... Non mais c'est pas possible, mais ils se foutent de ma gueule. En fait... Mais c'est pas possible, ils arrivent pas à connecter leurs deux neurones de bronze. Les bronzes sont cons. Avec les bronzes, on n'avait jamais de soucis à lancer l'émission. Avec les fers, on n'arrive pas. Attends mais,
Cherche, cherche. Attends, je vais te sais quoi. Et tu sais quoi, je vais regarder sur PGG. Peut-être que c'est juste l'affichage. L'affichage non, du par jeu. Contre. Là, je te le dis, je vais. Et tu sais quoi, je suis en rogne. Déjà, on m'a floué une fois. Non, là, par contre, ça commence à être honteux, là. Attends. Live game. Mais. Ah non, c'est une solo. Classé solo. Non, c'est une classé solo. Ouais, c'est juste le chat. Et le chat. Et c'est quoi le chat? Et tu sais. Et tu sais quoi? Et ferme ta gueule, le chat. Et ferme ta gueule, là. Putain, c'est bien une solo queue, hein. Allez, ça va se lancer. Ça va se lancer, c'est parti. Une seconde. C'est une ranked. Ranked, c'est des drafts. Bah oui. Et draft oui. Et ranked, c'est la même. Sauf que dans un, il y a des league points et dans l'autre, non. Oui, voilà, c'est la même chose au final. C'est pareil. Tout ce qu'on veut, c'est spectate les meilleurs joueurs d'Europe, quoi. Alors. Tac, on actualise. Alors, on a Unranked sur Lux, Bronze 4 sur Garen, Bronze 3 Kindred, Bronze 3 Kaisa, ainsi que la Sona, Iron 3 Tomasco, Iron 1 Volibear. Oh, Tomasco, 6 games joués sur Malphite. En plus, tu vois, c'est un matchmaking normal parce que là, regarde, ils ont 2 Iron, du coup, ils ont un Silver 4 pour compenser. Ouais, ouais. Donc, théoriquement, Kyle est le carry de l'équipe car c'est le Silver 4. Mais on notera que Tomasco, 6 games sur Malphite, 0 victoire. Et il décide de nous le sortir, il n'a peur de rien avec son Malphite Aftershock. Let's go. Une moyenne de 12 morts par game. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des maîtrises? Alors, il faut savoir que les fers ont bien compris leur position de fer. Ouais. La K, il a 750 games, on me dit. 750 parties. C'est classé fort. Alors que la saison n'est même pas à sa moitié. C'est fort. Je crois que même Melon n'a pas autant. Alors que Melon, il spamme le jeu comme never. Ah, Melon. Quelle merde. Alors, reprenons sur la game, s'il vous plaît. Alors, à noter que... oui, Malphite joue avec un Aftershock. Ok, alors on est à 96%. Alors ça, c'est vrai que Riot avait Implémenté. Pour ne plus qu'on puisse insulter les gens en début de game lorsqu'ils faisaient laguer le lancement de la partie. Donc là, on est à 99, ça veut dire qu'on est en train d'attendre quelqu'un depuis tout à l'heure. Tu paries sur qui, Chap? Alors, c'est assez difficile comme prédiction parce qu'il faut partir du principe qu'il a un PC de merde. Donc, comment faire un lien avec son gameplay in-game? C'est très simple, c'est un mec qui aura des déplacements très approximatifs. C'est-à-dire qu'il a peu de FPS, du coup il ne peut cliquer qu'une fois toutes les 3 secondes à peu près. Je mise sur le Garen top lane, point de l'immortel, photo de profil nounours. Je pense que c'est très possible que ce soit Garen Raman, comme on aime à l'appeler. Et j'en profite pour passer mes amitiés à Melon, c'était une simple boutade. Alors, on appuie sur O. Mon pote. Attends, si on peut appuyer sur O. Ah, attends, elle est où? Ok, c'est là-bas. Alors, on appuie sur O et c'est parti. 7 games de bronze et fer qui s'engagent. C'est dur. Attends, Chap, t'as pas moyen de décaler ta mère un peu, là? Et franchement, et c'est quoi? Et nique ta mère. Ok, alors le Volibear. Ah, je suspecte la Kindred qui n'a toujours rien acheté et qui prend peut-être beaucoup de temps à charger. Peut-être que c'est Thio. C'est un Thio. Peut-être qu'il est là, il met fût. Dehors. C'est vrai qu'il adore faire ça, tu vois, c'est très très agaçant pour cette image. Oh, le Z qui pratique la melon justement, c'est-à-dire je me mets au milieu, je danse et je jette des trucs. Ah, en espérant que l'équipe adverse soit manœur et qu'il ne vienne pas tout tuer, ce qui marche à peu près une game sur 493. Mais je suis en train de remarquer que Chap est vraiment sur les côtes de Melon ce soir, ce que je trouve pas correct du tout, donc j'aimerais qu'on arrête avec ça et qu'on fasse des blagounettes sur les Iron. Ok, alors... C'est ton collègue, merde. Bah c'est vrai, regarde ça, ils puent la merde. Oh wow, ils sont nuls. Wow. Alors si on les mettait peut-être les uns face aux autres, voilà, comme ceci, on est pas mal, je crois qu'on est bon. On va peut-être déplacer... Ok, ça c'est fait, et je te cache pas que mon casque il est en train de me faire cuire le crâne. Mais comment c'est possible? Il fait super frais dans les locaux. Super frais? On est au calme quand même par c'est rapport à dehors. C'est une blague? On est quand même au calme, alors... Okay. Franck BR96 qui met la première auto-attaque. Ok. Il est vraiment des velléités offensives. Et il ne s'arrête pas. Le passif de la lame d'onde ninja qui lui permet de bien la stit. Il va s'approcher du caster mignon. Schwings. Schlaps.
Ok, c'est récupérer le blue buff du côté de Kindred. Jason qui balance le shuriken de Konoha. Et le sixième last hit de récupérer. Ouais, c'est bien vu, on est sur un spacing parfait sur la première wave. C'est du jamais vu en fer. Il va recevoir son honneur à la fin de la game de la part de ses quatre teammates. Ah, Garen qui veut le mettre son proc point de l'immortel. Oh, boum ! Oula, mais boum, Garen, le double coup ! Mais Garen qui mécaniquement est vraiment au point. On sent que il a vraiment beaucoup de FPS. Alors, que pratique Twitch actuellement ? Twitch alors, qui n'a toujours pas un last hit. Oh, c'est bien vu. Twitch est en train de pratiquer le trap de piège. Oh mon dieu. Oh, ça ne passe pas. Oh mon dieu, AD Carry Jinx en fureur de ne pas avoir eu Jinx. Oh là 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 là. C'est dommage, le trap de piège qui est une stratégie assez difficile à mettre en place. Enfin, pas trop difficile. Enfin, ça dépend des modes de jeu en fait. À manier. Enfin, c'est surtout Aatrox avec l'île OP qu'il a. Mais bah, il sera pas très OP pendant très longtemps. Les princesses, elles veulent plus de prince charmant. Elles veulent que moi, le roi Rouf. Si, si. Alors, du coup, on est sur la bot lane. Va-t-il réussir à prendre ce canon mignon et... Oui ! Oui, il l'a eu. Let's go. Bah, clairement, il vient de doubler son capital gold. Étant donné qu'il n'avait pas pris de CS depuis le début. C'est le gank. AD Carry Jinx. Oh, let's go. Oh, c'est un Illuminati. C'est un Illuminati. Il est en train de le hacker. What the fuck. Attends. What the fuck. Oh non, non. Oh mon dieu. Oh non. Il est dans son PC là. Oh là là, attention. Non, what the. Oh, il est. Brasso au max. Ça brasse au max. Oh là là, le. Non, il a été exécuté. Oh, mais c'est bien vu de sa part. Oh là là, là où. Oh mon dieu, c'est l'agression. Oh, mais. Oh, ça touche. Oh mon dieu, je vais à tout. Mais c'est sauton. Oh, mais c'est. Oh Jason. Oh putain. Oh Jason. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ce serait pas. Oh. Elle va lui mettre. Elle va lui mettre. Oh oui, le turn. Oh let's go. Allez, oh non. Oh putain, c'était close. Eh hey, franchement. Oh c'était close. Et c'était à rien. Ah dommage mec. J'ai vu dans le chat que des gens suspectaient Z de Prince Murph parce qu'il avait un très bon farming en early. Oh mon dieu. Attends, le turn. Oh c'est l'Illuminati. Il a son PC. Il a mordu. Oh là là là, le double. Et déjà oui, deux kills. Je disais donc, en fait, il y a des persos qui sont entre guillemets take Smurf, tu vois, du bas élo. Bah typiquement Z pour la cite avec. Oui, c'est ça. C'est en difficile fait, de louper les CS avec le passif. Ce sont des personnages qui te permettent de louper très peu de creep, même si tu es horrible. Exactement. On pensera majoritairement Z ainsi que Yasuo, qui adore se faire passer pour des Smurfs alors qu'ils ne le sont pas. Yasuo, on le rappelle, le personnage qui rend le jeu un peu énervant. J'aimerais pas trop que tu parles mal de Yasup. En ma présence. Oui, pas en ma présence. J'aimerais que tu parles mal d'autres personnages. Alors, qui veux-tu qu'on parle mal de? Alors, dans la game, on pourrait mal parler de Kaisa. Eh, Kaisa, c'est quoi? Eh, nique ta mère, Kaisa. Kaisa, c'est rigolo, ça. Pugnambouk. Hein. Ouais, dis-lui bien. Et alors, on est sur une petite pièce de la part de Malphite, double item support. Aucun support n'a été oublié. Ok, double kill sur Volibear Jungle. On se rappelle que Volibear Jungle, ça se nouveau bien. Oh là là, oh le turn peut-être. Oh Jason. Oh la bonne ombre. C'est bien vu. On saura pas trop ce qui va se passer au mid. Je crois que l'agression a été arrêtée de la part de Frank. Ce bon vieux Frank. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Ok. Ça farm. Au calme. Oh, Illuminati. Ok, Ward. Toi qui joues beaucoup à la Ligue, Chapi, et qui a beaucoup d'élo actuellement. C'est vrai qu'on peut le dire. Et qui adore le faire savoir sur les réseaux. J'ai un gros élo, je suis challenger, je vais mettre dans tous mes titres YouTube. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Terme. Oh putain, oh, merde, non. Il l'a fait. Wow. Jason, what was that? Holy shit. Mais moi j'aimerais bien que tu me répondes, est-ce que Volibear est devenu bien? Alors non Est-ce devenu un champion depuis tout ce temps? Ah non, Volibear reste un pisslo et le champ. Ah c'est désastreux. Oh mon dieu. Il peut Jason. Oh mon dieu. Jason. Oh là là. Mais c'était close. Et sans le triomphe elle était dead. Et tu sais quoi, et il a trop de la chatte. Chap, je sais pas ce que t'as aujourd'hui mais. Et ça va pas hein. Et, bon. la chance. Il a été très chanceux sur cette action. Hein. Alors, le gank. The Rain Killer. Oh, Tomasco qui. Ah non, fallait pas. Tomasco qui temporise son 6, hein, il a bien raison. Oh, mais The Rain Killer, là, il attend juste le moment. Oh mon dieu. Oh
Oh non, mais attends, c'est Illuminati qui arrive. Oh, 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 oh non, oh non. Oh, waouh, waouh. Oh, vas-y, il brûle. Allez, il brûle. Il brûle. Oh. Illuminati qui le ramène, oh, peut-être. La patoune, le coup de patoune. Oh, mais c'est le counter. La c'est le counter, regarde. Ma... Madame Pimenton. Madame Pimenton. Oh, ça touche. Auto-attaque. Et là, on peut voir que Bolibera, là, il est très chanceux sur cette action. C'est très, très bien. Ça touche pas. Bolibera qui a un point de vie, vraiment beaucoup de chance pour cette équipe verte. Aïe, 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 ça s'est joué à pas grand chose. Il fallait le 6. Ah, c'est close. Et franchement, et ils ont pas de chance quand même. Et Franck, ok. Ils ont vraiment pas de chance. Okay. Mais heureusement, du côté ils, de ont la le roi, ils ont le roi Jason. Le roi Jason, mais où est-il? Le roi Jason est au mid et il est parti en embuscade dans la forêt adverse. Le roi Jason. Le roi Jason. Le pur loup de tous les smurfers. Qu'est-ce qu'il est relou? Est-ce que tu peux zoomer sur ce roi? Que fait le roi? Le roi Jason. On va le spec directement, le roi Jason. Dans la forêt. Et pour le moment, on peut voir les deux top laners qui sont tous les deux au même nombre de creeps et au même nombre de morts, c'est-à-dire 0. On peut donc partir du principe qu'ils ne veulent pas donner leur argent l'un à l'autre. On pourrait partir du principe qu'ils se disent « Tu n'auras pas mon argent, tu n'auras même pas 50 centimes. » Qu'as-tu à dire à ça, Chap? Oui, je veux dire, à ce point-là, oui, il n'aura même pas 50 centimes. Oui, il n'aura même pas 50 centimes. Oh, Tomasco qui est passé 6 en bot lane, oh, attention. Mais Illuminati, mais ils se font camper. Oh là 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 là. Wow, wow. Oh, c'est l'engage, il a go. Oh mon dieu, oh, Tomasco. What was what that? That Tomasco. Oh, let's go. Oh mon dieu. Oh, l'engage était énervé. Oh, Tomasco. Il va mourir des creeps. Tomasco. Mais il ne l'a pas volé, c'est 22% de winrate en fer. Oh là là, Thomas, tu nous régales. Oh, Toto. Oh, des carry jinx. Oh, il est retourné. Ça s'arrête pas. Illuminati, ça retourne. Soulever le flash. Est-ce que ça pourrait pas enchaîner sur la Sona? Le slow, Tomasco. Le twitch. Oh, oh oui. Let's go. Oh oui. J'aimerais qu'on passe un tout petit instant sur l'engage de Tomasco. Oui, j'aimerais qu'on la refasse au ralenti. Ah, c'est déjà passé, déjà, en fait. Tomasco, oh, c'était encore avant. Oui, c'est là, mais au ralenti. Mais au ralenti. Et là, regarde bien. Il va flasher. Si. Et là, oh. Et il ne touche rien. Wow. Il a chargé en criant de guerre. Son cri de guerre majestueux. Ah, on n'a pas vu aussi une petite action au mid. Oh si si, let's go Jason. Le roi Jason. Le roi Jason qui impose son gameplay. On va vite retourner en Attends, live. Tu es en x8, Chap, c'est la folie, calme-toi. Oh, on retourne vite en live, il se passe rien. Et voilà, on est en live. Ok, checkons la top lane. Oh, j'allais dire que dalle, mais non, Garen qui en avait marre de pas donner 50 centimes. Qui est en train de faire une décale vers la bot lane. Ah là 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 là, Kamel, pourquoi je dis Kamel, c'est Garen. Garen qui vient chercher son coca bien frais sur cette bot lane. Oh mais attends, mais s'il prend ce kill, il va brasser tellement au max. Oh, ça spin. Thomas qui va dans la mauvaise direction. Ah, et c'est le kill. Oh, le roi Jason. Le roi Jason. Smurfing from high rank, bro. Let's go, le roi Jason. Le véritable. Le vrai, l'empereur du sale. La crème du 9-1, la crème d'Île-de-France, le roi Jason. Et là on voit Garen qui décale sur ce Z. Ah là là, le coup de tourelle qui vient d'entamer. Oh Garen qui a toujours son ulti. Le flash-in. Oh le flash-in, allez Raman. Oui. Il est pour toi celui-ci, il est pour toi ma gueule. Il a encore le flash, allez, flash Q ulti, flash Q ulti. Allez, il est pour toi, il est flash pour toi. Flash Q ulti. Non. Mais non, tu pues. Non. Qu'est-ce que c'était bien joué de la part de Jason. Putain. La plante prise au meilleur moment par Jason. Oh Twitch. Oh là là, le placement de son qui est très mauvais. Oh oui. Il l'a touché, il a encore son Q-spell. Oh oui, attends, mais là, il est mort. Oh, c'est il est mort. Et le double kill. Oh oh, ça réengage. Et l'ulti dans l'ulti de Kindred, c'est bien vu. Oh, c'est fort. Qu'est-ce que ça joue bien. On est déjà sur une avance de 1500 gold pour l'équipe des Bleus. Oh. Ah là là, mais Jason qui... Toujours, il le fait, puis il le fait trop. Mais Jason, il est... C'est le beau jeu.
C'est le beau jeu. On peut le il dire. Il est là, il est le beau jeu. Le beau jeu. Mais tu es en train de craquer ta veste. Je craque ma veste pour avoir un peu plus de liberté parce que là ça pouvait plus durer. Ok. Oh là là, Jason. Attends, c'est. C'est craqué où ? Eh ben je le vois même pas. Je sais pas, j'ai entendu des craques. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Allez, revenons sur cette partie. Alors, en top lane. Oh, Cal qui a pris un gros lead au farm. Megaren qui a pris deux assises. Donc je pense que ça s'équivaut. Ça se voit à peu près. Oh, Tomasco, agressif. Oh, attention, on a plus le mal. Oh, des carry jinx. Oh, ça prend un petit coup de tour. Le power spike Draktar sur Z. Il part sur des Mercules. Respecte les cages de Saitlux qui le tue depuis le début de la partie. Tomasco qui grille la tour. Mais attention, oh, les cendres de Bami. Il n'a pas pensé aux cendres de Bami, mais toujours le backup de Illuminati. Il est en train de speed hack la game. Le chat réclame d'avoir le all chat. Est-ce possible? Alors, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Mais on va regarder s'il n'y a pas moyen de mettre le all chat. Non. Bah, à croire que le all chat, il ne parle pas dans le all chat ou alors il est désactivé peut-être. Je t'avoue que je ne sais pas comment. Bah, faire. Je ne sais pas, moi non plus. Je n'ai jamais su. On ne sait pas. Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il parle juste pas en fait. Peut-être, on sait pas, de toute manière, c'est pas important. Leurs dialogues sont certainement vides de sens. C'est vrai que. Alors, on me dit avoir... que c'est dans les options. Donc, échappe. Et là, tu vas dans les petites options. Dans. Interface. Ah oui, mais c'est dans, Ouais, ah voilà. Oui. Show all matched game. Oh! Oh, let's go! Like, I will listen, oh, let's go. C'est vrai, c'est que parti. C'est vraiment le petit sel, le sel, oh, sur cette game. Oh, il est salé. Oh, oh là, attention, là. Kindred, attention, qui adore donc ce Z. Mais Z, oh, le terme. Oh, il tue. Et, oh, c'est... Tiens, il a beaucoup de kills, le Volibear, mais malgré oh, le tout, gank. Deux niveaux de retard. Le hein. Gank, le gank, le oh, crashing. Boom. Oh là et là la là. Rafale ra, 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 ra. Et là on peut voir ra. Si si. Si si, ils ont tué les deux botlaners adverses. Let's go. Oh là 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 là, et la botlane adverse qui est en 0-9. Ah là là, c'est terrible. 0-9, c'est la catastrophe. Ah. Et là on peut voir qu'ils se dirigent vers la tourelle bot. Ils vont certainement la récupérer. Et triple AFK. Non mais il y a vraiment triple AFK. Et triple AFK. No way. Non, non, ça joue. Ah, ça repart, c'est juste que Lux... 96 qui ne se laisse pas faire. Ah, clairement, il ne se laisse pas faire du tout. Je suis un peu inquiet de voir ce retard au farming sur Volibear, alors qu'il avait une avance si grande. Mais j'imagine que c'est dur de tenir le clear de Kindred avec Volibear sur le petit Illuminatize. Ah, j'ai juste envie de regarder. Madame Pimenton, combien de stacks as-tu? 3 stacks, mais c'est très honorable. Mais Madame Pimenton qui fait une performance honorable pour le moment. Mais je tire mon chapeau à Madame Pimenton. Oh, Garen. Boum. Jason. Swing. Oh, ah, mais il se fait shred son touche. Armure. Et il y a une agression au bot. Oh, ça tape. Oh, le flash. Oh, c'est bien vu. C'est bien vu là-dessus. On prend le kill. Le kill est récupéré de la et part de Twitch. Et les dégâts qui auraient pu être létal. Et Malphite qui a déjà sa cape solaire, c'est pas mal. Pendant ce temps-là, une mouche m'attaque et Kyle force la tourelle top. Oh, Madame Pimenton. Oh, le boubou. Oh, le boubou clic-cli. Le boubou. Et 5-0, easy. Et on easy, est là, on easy. Est à clic-cli. Venez me voir. Ok. Ça clic-cli. L'âme d'infini récupérée sur Twitch. Oh, attends, parce que Tomasco... Il récupère l'ulti d'ici quelques secondes. Par quelques secondes, j'entends maintenant. Oh, c'est le triple go-in. Il court dedans. Eh ben non, y'a rien. Il faut se rappeler que le slow. Mais y'a que dalle. Tomasco qui a fait un petit replaçage discret et efficace. Tomasco, vraiment. Il vient d'utiliser son petit dash. C'était propre. Il allait mourir. Il fallait sortir de cette terrible situation. Oh là là. Oh non, Jason. Jason. Oh, l'épée sacrée. Oh non. Oh non. Ah là 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 là, c'est la débandade. On le comeback. Kill. Oh, l'équipe rouge qui n'a pas dit le son dernier mot. Le comeback de l'équipe rouge. Et pour ça, Tian Kant, la queue. Ils vont partir sur l'engage du dragon. Et c'est parti. Oh, à des carries. Oui, les mécaniques.
Oh oui. Oh il le... Non. Oh, what the fuck. Il le fait. Mais c'est si... propre. Mais c'est si propre. Mais mécaniquement. Et il faut pas oublier que pendant ce temps-là, je vois Kyle qui est en train de créer une voie de train, si tu vois ce que je veux te veux dire. Un autoroute. Sur la top lane. Et là, attention, ça mitraille. Ah. Oh, Twitch. La défense, mais elle est presque tombée cette tour. Twitch qui dit que press le Q était un misclick, alors que le misclick qu'il a fait, c'était de ne pas auto-attaquer les adversaires. Let's go. C'est peut-être pour ça qu'il est en bronze. Et bronze, fer, même combat. Même combat. Franchement, le bronze, fer, même combat. On est ensemble, les gars. Franchement, si vous êtes bronze 4 ou bronze 3, interdiction de trash les fers. Bah les Iron, du coup, my bad, oui. C'est avec eux que vous tombez dans quasiment toutes vos games. Oui. Dites-leur plutôt que vous êtes ensemble. Oh, il y a une bagarre sur ce Drake. Illuminati. Oh là là, le style. Oh, il a pris le dragon. Oh, ça go in. Attention, Jason. Ça pose. Oh, Tomasco qui récupère l'ulti. Tomasco. Allez, mon grand. Oh, oh oui. Et oh là, oui. Jason. Ah, Jason qui est hésitant. Oh, ah, non, il a pas ulti. Sérieux, merde, Jason, on fait un effort, là. Et là, Twitch qui arrive. Oh, oui, qui arrive tel le shérif pour leur dire. Oh, tu veux me voir? En vrai. Mais malheureusement, il a décédé bien trop vite pour faire ses dégâts. Oh, c'est malheureux parce que pourtant, il avait bien joué cette action. Il avait esquivé tous les skill shots. Mais il est mort quand même. Il a tenté une rat IRL avec de la transe à fond dans les oreilles, mais ça n'a pas marché malheureusement. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui lui manque quand même? Bah, il lui manque le... Point d'interrogation XD à la fin. XD, L9 bro. Pourquoi il ne le fait pas? Regarde, il est là, il parle avec le château alors qu'il pourrait juste envoyer des points d'interrogation XD L9. C'est vrai. What the fuck. Un vrai mec. Joueur de Twitch, lorsqu'il meurt, ce n'est jamais de sa faute, c'est jamais la faute de son placement, c'est jamais la faute de quoi que ce soit. Ou il insulte un de ses alliés, ou il dit L9, ou il dit XD point exclamation, ou alors point d'interrogation XD, ou alors tout ça à la fois. Mais là il ne fait rien. Il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Kai'Sa is good, but you're the one taking the lane down. Non mais là, c'est non, pas mais de c'est ce... quoi ça? C'est pas un joueur de Twitch on ça. On est sur LoL, tu joues Twix. Et c'est quoi ça me dégoûte? Une autre guitare? Oh Jason. Ouh. C'était pas loin, j'ai eu peur là un peu. Quand même Jason, on faut faire attention. Hein. On est sur une lame d'infini deuxième item sur Kindred, qu'est-ce que tu en penses? Alors. Acceptable quand t'es fils ou... Non, honnêtement, c'est pas mauvais. C'est oh, pas c'est... mauvais. Oh yeah 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 yeah. Oh il a cliqué dessus. Le premier crit, le deuxième. Oh le flash, c'est bien joué. Et le troisième. Oh là là, il a failli esquiver les dégâts de l'auto-attaque malheureusement en flashant. Et oui, et on peut voir Kyle qui est tranquillement en train de faire sa route, faire la Trinité Force. Et il ne faut pas oublier que Kyle est la plus grande sprint de cette partie. Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh là. Mais c'était quoi ça? Oh, oh, oh. Putain. C'est dommage, franchement, il s'est bien battu. Il y avait de l'ambition. Oui, mais c'est agaçant. Enfin, je veux dire, moi, je me suis déplacé à Tours. C'est pas pour voir cet étron. Enfin, il y a un moment, j'aimerais voir un peu plus de qualité. Oh, voilà, exactement. Voilà, donne tout et oh, le flash-in. Oui. Mais c'est ça qu'on veut. Oui. Oh, il touche tout, Jason. Non. Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Non, Jason. Oh, le heal qui est claqué. Et on a reçu un MP. Ah non, c'était pas MP, c'était un FF. My bad. Oh, le surrender vote qui ne passe pas. Et pourtant, ils ne sont pas si loin. 4K gold de différence entre ces deux équipes. Oh, c'est l'offensive. Oh, le guerrier est soulevé. Que va-t-il faire? Il turn. Ra. Oh, le 2 kill. L'ulti le réengage. Place le saut. Si. Madame Pimenton. Oh là là. Mais ça joue trop bien. Let's go. Mais Madame Pimenton qui smurf. On pisse low et low. Rrrra. Si. Oh là là, Illuminati. Illuminati qui a tout compris et qui part sur du sustain quand t'es low HP. Twitch qui commence à prendre les bonnes habitudes. Il meurt, il dit what the fuck lol. Bon, on est clairement pas dans les bonnes tournures de phrases, mais il y a un début. Il y a un progrès, c'est-à-dire qu'on passe d'un mec qui est gentil à un mec qui est un tout petit peu toxique. Et qui Attends, mérite peut-être un chat restrict. Vraiment, il y avait quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu peux remonter un peu le chat pendant que Jason meurt? Avec la molette, il faut que tu fasses. Ah oui, voilà. You know
Kitar, Twitch, Kaitir. It's kick and move. Ah, oui, je me disais bien. En fait, j'avais pas compris. Il parlait du Kaitir pendant tout ce temps-là. Le Kaitir, le fameux. Non, c'est pas maîtrisé par Twitch, sérieusement. Le mec joue à LOL, il sait pas Kaitir. Hey, tu sais quoi, t'es What trop the nul, fuck, mec. Zed. Et t'es nul. Hey, tu sais quoi. Oh, Jason. Tomasco, Kenny, slash All regroupe. Donc, il prévient à son équipe ainsi qu'à l'équipe adverse de se regrouper. Et franchement. Afin de finir cette game à l'amiable. C'est ça que j'aime bien dans le Heron. C'est au moment où voilà. C'est-à-dire que. Ça fait plaisir. Il y a Madame Pimenton qui doit partir au foot. Oui. Il y a un moment. Il y a Madame Pimenton qui a foot. On envoie un message. Arrangement à la main. À la sérieux, les gars. J'ai foot, j'ai des trucs plus importants à faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de grouper au mid? Exactement. Et voilà, jouer ça sur un petit 55 ans. Ils acceptent le flash de Tomasco pour se replacer. C'est bien vu, attends, parce que Tomasco, il a pas dit son dernier mot. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Tomasco. Dieu, Tomasco. Oh, c'était mauvais. Oh, mais ça n'aurait pas dû Tomasco. Se passer, ça. Tomasco. Oh non. Mais c'est terrible, attends, il faut que je... Apparemment, il y a... Wow, wow. Oh my bad, excusez-moi. Ok, on a loupé une action, mais c'est pas grave parce qu'il y a que de ça des actions. C'est la mort, c'est la fin de l'action, de rien. Et Kyle, qui est sur sa première mort. Même si Garen a 3 kills et 10 assists, Kyle qui a le double de farm à ne pas oublier. Exactement, Kyle qui, on l'espère, va pouvoir pop-off avec ses belles mécaniques. Si la game durera assez longtemps. Oh, attends, parce qu'on regarde au mid. Regarde ce qui se passe au mid. Ce petit coquin de AD Carry Jinx. Est-ce qu'il va pouvoir placer son invisibilité? Est-ce qu'il l'a seulement son invisibilité? Ah, je crois qu'il l'avait, mais il n'avait pas trop envie de tuer son adversaire. C'est compréhensible. Oh! Oh! What? Quoi? Oh, Tomasco? Attends, mais quoi? Il a acheté une potion? Ok, Tomasco qui a décidé d'augmenter sa tankiness de manière significative au prix de 500 gold. Bah écoute, on a dit quoi? On a dit go mid. Ok. C'est le meilleur moment pour acheter une potion. Le dragon qui est récupéré par Kindred. Ah, le problème, c'est que le roi Jason, là, il nous fait pas une super game. Le roi, le véritable. Le roi, l'empereur du sale. On croyait, bah, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est des persos fake Smurf. Il arrive sur la lane, il loupe aucun astic, les gens se disent, oh Smurf, mais non, il pue, il est horrible. En fait, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il pue. La vérité, c'est que c'est certainement le pire joueur de son équipe. Tomasco se débrouille pas mal quand même. Tomasco, on est sur un travail de support honorable, il a exactement le même nombre de participations ratio. Non, on va dire vrai. Que son adversaire, avec une mort de moins, il se fait pas pisser dessus en lane. Clairement pas. On peut clairement souligner que Twitch ainsi que Malphite gagnaient leur 2v2. Bah, après 10 ganks. Après un sacré camping de la part d'Illuminati. Et oh oh, alors ça c'est agressif. Alors ça Raman c'est agressif. Okay, oh, c'est pas fini! 0-7-0! Allez, mon grand! Le coup d'épée qui va se mettre dans Jason! Et Jason qui est sur sa 11ème mort! Hein. Et Jason qui est en train de trouler! Oh là là, l'ulti! Oh là 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 là, Tomasco, c'est pas ce que tu voulais faire! Oh, attention! Gratirel! Aïe, oh, ça s'est très très mal passé, malheureusement! Oh, le flash-in! Oh, The Rain Killer, il a flash-in, c'était à ça! C'était pas à grand chose. Oh, attention. Attention! Oh, l'ulti de rage! L'ulti défensive! Zwing! Ah oui, c'est un très gros finisher. Ah, après, il n'a pas d'armure. Il n'a pas un gramme d'armure. Hein. Ouais. Pas un gramme d'armure contre triple AD dans 2 AD carry. Avec ton bout de rouleau. Monsieur Illuminati, vous foutez de la gueule du monde. Hein. Vous foutez de qui là? Vous foutez de qui? Non, mais... J'étais là, je disais rien, mais là maintenant. Bon, et voilà, c'est le Baron Nana qui est récupéré par cette équipe. Rouge. Bah on assiste à un très très gros comeback de la part de l'équipe rouge hein, qui en plus dispose du scaling. Alors certes, il y a le facteur... Oh, ça va la suivre. Il est où? Remets l'action mais au ralenti. Je veux suivre cette... On va suivre la roulette. Ok, mets au ralenti maintenant. Ok. On va la suivre. Ok, ça va toucher. Oh, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, mais je pense que ça va repop sur la cible. Genre, reste sur les cibles qui sortent de la base et je suis sûr qu'il y en a un qui va se prendre. Je crois que c'était sur Frank BR. Oui, 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 il se l'est pris là, regarde. Il se l'est pris. Oh. Il a perdu de la vie, il est slow. Franchement, je suis un peu déçu de la part de Riot Games qui n'a pas codé ça. Enfin, oui, il serait temps de le faire. Parce que là, pour nerf Akali, le perso qui est un peu nul,
Franchement, il y a du monde, mais alors quand il s'agit de faire des vrais trucs sur League of Legends. Oui, surtout que Kalu, on le rappelle, crée du beau jeu pour la Ligue, c'était vraiment super cool à jouer contre et à regarder. Illuminati qui part sur son Tiamat, hein, il décide de chier sur cette triple AD et de faire comme si elle n'existait pas. Il fait la stratégie de l'autruche. Il se dit que peut-être que si je fais comme si elle n'existait pas, elle n'existera pas. Regarde-le. Il fait pas des bons dégâts. Ah ah ah, il se bat sur son aftershock pour sa tankiness, mais ah, ah le laser. Ah, c'est dodge. Non, Volibear. Et il meurt misérablement. Et attends, pendant ce temps-là, on a un push au top qui s'est engagé. Oh, AD carry Jinx. Va-t-il pouvoir stopper ce mastodonte qui est Rahman? Mais je ne crois pas. Hein. Ah, oh, je crois que Rahman veut dive. Rahman veut dive. Allez, mon grand. Et non, je crois que Rahman veut prendre la tour. Quoique finalement, il a changé d'avis. Oh mon dieu! Oh, c'est bien joué. Oh, mécanique français. Ah, l'HP qui tombe, il lui faudrait un Q. Il l'aura pas. Ouais, mais je sens que Twitch va vouloir faire le beau jeu. Ah, attends. Remets sur Twitch. Est-ce qu'on peut avoir l'action de bout en bout? Ah oui, il va se faire toucher. Allez. Non, allez. Mais je sens que Garen n'est pas déterminé. Ah, oh, ce petit. Oh, il se retourne, il provoque. Il n'y a pas de flash. Ah, il n'y aura rien. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il va Kaitir. Il va Kaitir. Le Kaitir mécanique. On va avancer un peu plus vite pour retourner en live. Et on peut voir Tomasco qui arrive à toute vitesse pour aider son AD carry. Tomasco. Oh oui! Mais oui! Je vous le repasse parce que quand même. Mais oui, Tomasco! Mais oui! Oh, mais c'est vrai que t'avais pas la reine! Mais oui! Mais Tomasco! Mais plus encore, par mais pitié! Mais Tomasco! Mais bordel! Mais merci, tu nous régales! Mais merci, Tomasco! J'aimerais prendre 10 secondes afin d'adresser des paroles à des rageux. Oui? Des rageux qui disaient que Tomasco était un smurf. Alors, les rageux, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ça ferme sa gueule maintenant, hein? Mmh. Face au gameplay irréprochable de Tomasco. On vous entend moins. Oh, et Garen qui est déterminé, qui veut les prendre. Oh, les bons dégâts! Garen qui joue pour détruire cette game! Hein. Oh, attention! Oh là là, c'est bien. L'engage à la spin. Attends, quoi? J'ai loupé un truc là. Je veux juste regarder. J'ai loupé un truc. Je crois que je suis pas le seul à avoir loupé un truc. Mais qu'as-tu loupé, Chap? Dis-moi tout. Bah, je crois qu'il y a un ulti de Sona qui est parti avec 8000 de ping. Oh, wow! Wow! Bah, lag, hein. Bah, non, c'est en fonction du PC, pas de la coupe dans le chargement. Ah, donc, alors là, ouais. J'ai pas d'explication. Je pense que Kizik a 18 millions de ping. C'est la seule solution et on part sur une fin de game et je vais retirer cette veste parce que j'en peux plus, Chap, est-ce que tu me l'accordes? Oui, vas-y. Merci, mon Ray. T'en peux up. Oh là là, Twitch qui pop off. Oh, les shields. Oh mon dieu. Attends, mais il faut que quelqu'un back là. Et me revoilà, les amis. Il faut que quelqu'un back, sinon c'est une fin de game. Tomasco, je suis à roof. Tomasco. Oh, Tomasco qui a dit je suis à roof game. T'as capté? Tomasco. Et là, attention, on est sur Jason. Mais il pourrait simplement finir la game. Jason qui mitraille un max. Mais c'est une fin de partie, là. Oh, putain de... Oh, l'inhibiteur qui vient de tomber. Est-ce que c'est une fin de game? Et c'était expéditif, hein. Et c'est une fin de game. On la voyait tellement gagnante, cette équipe bleue. Bad team, let's go. Bad team. N9. Bad team. Si. Ça, c'est mon Twitch, bad team. Si, team de merde. Et franchement, sa team, elle était pas géniale quand même. Si. Et tu sais quoi, je regarde sa team, et franchement, elle est pas GG. Hein. Et franchement, sa team est pu sa mère. Pugnamouk. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Tu devrais peut-être te renseigner sur ce que ça veut dire, bro. Pu sa mère. Alors. Ça veut dire quoi, mec? J'en sais rien. Ok, on a besoin d'un traducteur. Alors, la game s'est terminée. On va tout de suite rejoindre notre parterre d'analystes. Oui, qui nous donneront les meilleures informations. Monsieur Diego, dites-nous tout. C'est à vous. Oui, bonjour. Riot Taipouz ici. Bonjour à tous. Alors déjà, gros big up à Julian de la Banana, quand même un petit con qui nous a menti, comme les bronzes de merde. Voilà, il est nul et en plus il nous ment parce qu'il avait dit qu'il était fer et en fait non, hein, il n'est pas fer, il est bronze. En plus, horrible joueur. Voilà, bon, on a vu que Tomasco, notre viewers adoré, les rageux du chat qui disaient que ouais, c'est un smurf, miam miam miam.
Non, c'est pas un smurf, on a bien vu ses ultis, horrible ulti, le mec il flash, il ulti sur son flash, enfin bref, horrible, dégueulasse. On a vu un Twitch quand même qui a fait la magnifique performance, 25-16 à 10 minutes, pas mal hein, franchement pas mal, je pense qu'on peut dire que c'est des smurfs. Hein. Le Z, horrible joueur, comme les viewers, infâme, le mec ils sont là, ouais c'est un smurf, nanana, rien du tout, cadet à la sardoche en 2-10 au bout de 10 minutes. Ensuite, bah, Malphite. J'avoue que le viewers, en vrai, on peut dire qu'il était plutôt ballsy. Donc, bien joué à lui. Et voilà. Mais sinon, voilà, mention spéciale, ouais, au petit viewers qui était sympa. Volibear, j'ai pas trop compris. Kayle, je sais même pas s'il a eu un kill ou une assist, on l'a pas vu de la games. Et puis, voilà. Voilà. Kessa, horrible aussi, il sait même pas parler en anglais en plus. Enfin bref, voilà, c'était Riot Taipouz. Je n'ai même pas de résumé à faire. Scandaleux le level, hein. Franchement dégueulasse. Voilà. Merci Taipouz, merci beaucoup. Merci Taipouz. Merci beaucoup pour ça, mec. Nous avons une très très bonne nouvelle, messieurs du chat. Le petit père Tomasco accepte de relancer une partie. Et non seulement. Pour notre plus grand plaisir. Je joue plus Malphite, c'est nul, il m'a dit. Malphite, c'est caput, c'est zéro. C'est zéro. Tomasco, il s'est dit, je vais flex un max, je vais leur montrer à ces salopards. On met une page de pub et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième game de Tomasco dans les étoiles de l'e-sport. Et c'est parti.